Salut à tous, c'est Fred pour IPPS Gaming. On se retrouve sur une vidéo du jeu PlayStation Plus gratuit pour le mois de mai 2015. Ici, il s'agit de Ether One. Donc, on va essayer de découvrir. Apparemment, déjà, c'est un jeu en anglais. On va essayer de découvrir à quoi il ressemble et savoir s'il valait la peine, parce que comme à mon habitude je suis un peu en retard, un petit mois de retard, donc les jeux ne sont plus gratuits ce mois-ci. Hey, it's me. Listen, I'm sorry for the things I said earlier on. It's just... on ne sait pas passer les dialogues. I don't think they care. Not like they should. And before you think it, I know how it feels to want to feel safe, to want more. You know I do it. But... diminuer le son, peut-être audio. Hop. Voilà. Ça a pris en compte. Oui, parfait. Et voilà, donc, allez. Continue de parler, résume game. Jesus, do you know how I view you? Just another patient to squeeze money out of. Please don't go tonight. Please, don't go tonight. J'ai peur pour toi et pour moi. Freaking scared. For you and for me. Alors, il s'agit apparemment d'un jeu style FPS. Dans une réalisation, d'après moi, qui serait plus PlayStation 2. In the 19th century, advances in genetic and psychological sciences led to a series of astounding breakthroughs regarding the human genome. At the forefront of these experiments, the Ishin Initiative discovered and developed new ways of mapping. Il faut toujours mettre la petite, le petit curseur là sur le point qu'on veut avoir. Ensuite, ah, il faut se mettre dans chaque case. À mon avis, c'est pas un jeu sur lequel je vais passer beaucoup de temps, parce que déjà faire ce genre de petites choses comme ça, ça me saoule un petit peu. Sur le pavé tactile pour l'examiner. I'm in restoration chamber number 3. Now, if you don't mind, would you be a dear and head on down?
avancer. D'où je viens ici, non? Alors, passer ici que les Romains sans poignard, il paraît. Hein. Je vous l'ai dit, c'est vraiment pas un jeu, soi-disant des jeux AAA, mais c'est AAA mes fesses, ouais. Faire de placer un objet là, moi. Explore comme ça, mais... Ça me perturbe vraiment, ce jeu. C'est vraiment... Bah, pour moi, je sais pas, maintenant, il y a peut-être des gens qui aimeront, mais pour moi, c'est vraiment pas amusant comme jeu. On peut pas forcer les gens à aimer tout ou ne pas aimer. Je pense qu'on est enfin arrivé là où on devait. Seulement placer des fusibles de 300 ampères.
Voilà, bon ben, écoutez, moi personnellement, c'est pas une question de mauvaise volonté, mais je ne saurais pas vous faire vraiment un test sur ce jeu parce que pour moi, c'est pas ça un jeu. Donc, ben voilà, ce sera un test vite fait. Moi, en tout cas, je n'aime pas du tout. Donc maintenant, ben, rien ne vous empêche de le tester. Mais il ne me plaît pas graphiquement. Il ne me plaît pas au niveau de la jouabilité. Et il ne me plaît pas au niveau des actions à entreprendre. Donc pour moi, ben, c'est un gros carton rouge. Voilà, donc ben, c'était Fred pour IPPS Gaming. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.